Salut, Jake Paul n'est pas si mauvais que ça, dans le fond, ça lui arrivait également de faire de bonnes actions. Oui, oui, tu vas voir, c'est extraordinaire. Tellement bonnes qu'elles ont été aux oreilles du légendaire John Jones qui l'a carrément tweeté et mentionné. On va checker tout ça, mais avant ça, je vais balancer la tronche. Donc accessoirement, bouge tes oreilles parce qu'on va balancer... On a torché la trop malgré que je me sois fait violer par un corbeau quand j'avais 4 ans, donc installe-toi bien et confortablement parce que frérot serait... Nous sommes partis pour la petite news, la petite actu, let's go! La superstar John Jones envoie un message à Jake Paul. Quand on fait de bonnes actions, malgré qu'il doit y avoir un petit coup de com' derrière tout ça, bah oui, c'est évident, eh bien il faut tout de même le mentionner, et ça c'est très bien, et moi c'est ce que je retiens. La suite. Après de gros noms comme The Rock ou encore LeBron James, Jake Paul peut aussi se vanter d'avoir été mentionné par la superstar de l'UFC, John Jones. Le numéro 1 du classement Pound for Pound a visiblement été surpris par le jeune boxeur. Honnêtement, le mec se fait quand même mentionner par les plus grosses stars de la planète. Manque plus que Ronaldo et Madonna, voilà, une star de plus dans le palmarès. Ça fait toujours le taf, ça fait toujours son petit effet, et ça fait toujours un petit baume au cœur. La suite. Toujours invaincu dans sa jeune carrière de boxeur, donc 4-0, Jake Paul plane sur un petit nuage en ce moment. Il vient d'empocher un jackpot colossal après son succès contre Tyron Woodley. Tandis que les médias américains sont à l'affût de ses moindres faits et gestes. Pour info, voilà justement ce qu'il a dit pour la thune. L'événement a été un immense succès au niveau du pay-per-view. Le Problem Child affirme que 1,3 million de formules avaient été vendues pour générer une somme astronomique de 75 millions de dollars. Je sais pas si tu te rends compte, c'est carrément le salaire de Messi. C'est juste énorme, c'est carrément inimaginable en fait. Enfin, inimaginable pour moi, je me doute bien que toi qui regardes la vidéo en ce moment, t'es déjà pété de thunes. On enchaîne. Surtout que niveau comportement, l'influenceur semble plutôt calme ces derniers jours. C'est vrai ça d'ailleurs. À l'exception de son embrouille récurrente avec Dana White, puisqu'il a quand même ouvertement menacé le boss de l'UFC. Les esclandres sont moins fréquentes. Jake Paul s'est même illustré avec un très beau geste dans la banlieue de Cleveland, sa ville natale. C'est vrai, ça, il s'était un peu embrouillé avec Dana White. Je sais qu'il avait menacé récemment. C'était carrément passé dans mon fil d'actu. Tu sais bien, le fil d'actualité ne ment pas. D'ailleurs, on fera la review très prochainement, parce que toi et moi, on a vraiment envie de savoir. Et je suis vraiment curieux également de savoir ce qui a été dit. Quoi qu'il en soit, eh bien, je te laisse avec une petite vidéo de Jake Paul quand il est, justement, quand il fait sa bonne action au club de boxe et qu'il commence à distribuer du matos aux enfants. Et ça, vraiment, c'est très beau de voir, de les voir sourire à ce point, de les voir heureux pour, on va dire, pour si peu, même si pour eux, c'est énorme. Et franchement, ça va pas, imagine un peu 2 secondes si après la vidéo, il aura carrément repris le matos. Non, je pense pas, non, c'est pas un crevard à ce point-là. Bref, quoi qu'il en soit, il a tweeté tout ça, c'est pour ça que je pense que c'est de la com, donc il a tweeté tout ça. Et il a dit, je suis allé visiter par surprise une des salles de boxe locales de Cleveland, et j'ai distribué des gants de boxe Bullies, donc Boxing Bullies, ces enfants me donnent toujours plus que je ne leur donne. Mon préféré était Lil Cheddar, comme le fromage, celui qui porte le casque vert et noir dans ses postes. Il avait tellement de personnalité et d'amour pour ce sport. Tous ses enfants avaient le cœur d'un jeune champion. La boxe est l'avenir. Rappelez-vous que ce n'est pas cool d'harceler, ça c'est vraiment très bien ce qu'il dit, et que chaque mot sur internet est permanent. Par contre, la violence, ça part, voilà quoi. On va y revenir tout de suite après. Je vous aime tous. Franchement, c'est super ce qu'il a fait, et ce qu'il dit est très juste. Maintenant, venant de sa part, voilà, c'est un peu la pute qui se fout du trottoir. C'est comme si un drogué, tu disais que c'est pas bien de se droguer et l'héroïne, c'est pas bien. Oui, c'est vrai, les mots sont justes, il a 100% raison, mais venant de sa part, voilà quoi. Retenons tout de même le positif de tout ça, il s'est déplacé, il a filé du nouveau matos à des enfants, ils sont super heureux,
Et voilà, c'est ça qui compte pour moi, moi c'est ce que je retiens. La suite, bien que certes à vocation commerciale, ben voilà, je pense aussi, cette visite surprise du boxeur a fait réagir au grand nom de l'UFC, John Jones. Devant des internautes un peu bluffés, la superstar a commenté la publication de Jake Paul. Bah justement, il a mis ses putains de cool, du bon matos, et franchement, je n'ai absolument rien à ajouter. Je pense que John Jones a tout dit, c'est la bonne parole, et comptons-nous, c'est le go. Allez, on enchaîne maintenant sur le dernier paragraphe, et il dit « Être salué par le meilleur combattant actuel de l'UFC, c'est quand même pareil. Jake Paul serait-il en train de se faire un petit nom dans le monde du fight ?» Bah, et je pense qu'il l'a déjà, maintenant, c'est pas vraiment un nom extrêmement reconnu. Dans tous les cas, ce genre de commentaire ne peut capouiller son CV. Oui, il a un nom dans le monde du fight dû à son pognon, sa notoriété, etc. Maintenant, quand il combattra de vrais boxeurs et qu'il les battra, là, ce sera autre chose. Là, on pourra discuter et là, il y aura peut-être plus de crédibilité, non? En tout cas, pour ma part, eh bien, j'espère voir un jour le légendaire John Jones contre Francis Ngannou. Ça, ce sera du lourd. Mais voilà, chill down, mollo. On va attendre la fin d'année et on checkera si c'est contre Cyril Gane ou John Jones. Soit de toute façon, l'un ou l'autre, ça sera énorme. Enfin, c'est bien, il y en a un qui sera énorme, l'autre sera épique. Et bien voilà frérot, serette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. N'hésite pas à répondre dans l'espace commentaire. Le débat est là, le débat est ouvert. Tu peux écrire ce que tu veux. Je rappelle une énième fois que les commentaires d'insultes ne sont pas toléré, non pas par moi, mais par le bot de YouTube qui passe par là. Donc si tu veux écrire un commentaire d'insulte, que ce soit pour moi, pour, je sais pas, pour Jake Paul, pour Connor ou autre, ou pour la personne qui a commenté, eh bien fais-le, bah, j'allais dire avec sagesse et respect, mais non, c'est pas ça, mais fais-le avec... Sois créatif, voilà, tu n'as qu'à écrire mal le mot ou un truc dans le style, et peut-être que ton commentaire, en tout cas là, peut-être qu'il aura plus de chances de rester. Quoi qu'il en soit, si tu as apprécié la vidéo, eh bien n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un nom commentaire, ben tu laisses un, 2, 3, un chiffre, une lettre, un émoticône, n'importe quoi. Et ça m'aide énormément pour le référencement de la vidéo en te remerciant, parce qu'on commence à remonter par moments tout doucement au niveau des vues comparé il y a 3 mois d'ici. Donc merci beaucoup et merci à toi de continuer à jouer le jeu, c'est grâce à toi tout ça. En tout cas, bah écoute, on va se laisser ici, je vais profiter de mon après-midi, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, également de faire du sport régulièrement, car c'est très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, c'est la base des compléments alimentaires. Je rappelle, le matin, non pas à jeun, mais en mangeant, en consommant des lipides et en buvant de l'eau, parce qu'il y a des vitamines qui sont liposolubles et d'autres qui sont hydrosolubles, donc qui s'absorbent avec des lipides, du gras, donc des jaunes d'œufs, des noix, etc. Et avec de l'eau hydrosoluble, forcément, c'est normal, t'es pas demi-cerveau, et de toute façon, maintenant, tu es rodé. Écoute, on va se laisser ici, j'arrête ce petit cours, et ben voilà, prends soin de toi, et on se dit à la prochaine, salut !